Parce que l'improvisation a été pour moi, à certains égards, ce que peut être la prière chez d'autres. Je crois que c'est véritablement quelque chose qui montait des profondeurs de moi-même, une certaine manière de me rejoindre. Et là, nous retrouvons un peu ce qui a été dit précédemment de la présence à soi-même. Mais en même temps, présence au monde. Car j'ai toujours eu le sentiment que dans l'improvisation, je rejoignais. Là, je laisse des points de suspension après le verbe. La musique improvisée comme état d'oraison, ça. Si vous voulez. Vous avez, monsieur, restauré, comme Heidegger et autrement que lui, la dimension ontologique de la pensée. Qu'est-ce que cette ontologie pour vous ? Je ne sais pas, au fond, dans quelle mesure j'ai le droit d'user du terme d'ontologie. Je m'en suis servi assez souvent. Mais au fond, n'est-ce pas, dans mon esprit, l'ontologie, c'est une réflexion sur les approches de l'être à partir de ce que j'ai appelé, à un moment donné, une intuition aveuglée ou une certaine assurance qui tient lieu, si vous voulez, d'une certaine manière, de ce que certains ont appelé l'intuition de l'être et que je crois que nous ne possédons pas. Mais ce que je veux exclure, c'est l'idée d'une saisie de l'être. Je ne pense pas que nous puissions capter l'être. Et pour moi, au fond, il s'agit surtout, et toujours, d'une réflexion sur ce que nous voulons dire quand nous parlons de l'être. C'est au fond la question que je me suis toujours posée. J'ai toujours eu peur, et ça, je dirais depuis le début, n'est-ce pas, de mon travail philosophique, de m'égarer moi-même, de me tromper moi-même quand je parlais de l'être. Il y a toujours chez moi cette sorte de reprise, mais après tout, qu'est-ce que je veux dire quand je dis que ? Je pense que dans la ligne de ma pensée, on ne peut pas se dispenser de parler du mystère de l'être. Mais dire que le mystère de l'être, c'est dire que l'opposition en moi, hors de moi, est une opposition que nous devons absolument transcender. Et si nous disons être en présence de, il me semble que nous retombons de cette opposition. Est-ce que vous refuseriez l'idée d'être en présence de l'autre, du toi ? Et est-ce que vous pensez que cette présence ne peut pas être une présence en restant mystérieuse et non pas problématique ni spatiale ? Oui, enfin, dans la mesure où je dis que l'autre m'est présent, et ça je l'ai dit extrêmement souvent, et je crois effectivement que la notion de présence est ici fondamentale. Seulement, n'est-ce pas, le problème, c'est toujours de savoir comment je peux penser mon rapport à cette présence. Qu'est-ce que la transcendance pour vous ? Quand je dis, par exemple, que Dieu est transcendant, n'est-ce pas ? Eh bien, là, je suis tout de même obligé, je crois, de faire appel à ces déterminations négatives comme irréductibles. À partir du moment où je cherche à convertir ces déterminations négatives en déterminations positives, je me trouve en difficulté. Est-ce que cette transcendance que vous définissez comme irréductibilité, est-ce que tout de même elle n'est pas, à l'intérieur de la religion chrétienne que vous professez, essentiellement le mouvement de Dieu vers nous, autant que le mouvement de nous vers lui par la foi ? Et est-ce que par suite, ces deux mouvements ne se passeraient pas de définition négative ? La transcendance serait à ce moment-là révélation, et vécue dans la révélation. Oui, mais ça, je n'ai pas. C'est pour cela que j'attache une valeur toujours plus grande à l'idée même de la grâce. Or, la grâce est exactement ce que vous dites. Il est bien certain que la grâce est à la fois mouvement vers Dieu et mouvement de Dieu vers nous. Et je crois qu'effectivement, il est impossible de les dissocier. En ce qui concerne l'irrationalisme, n'est-ce pas, là, ma position serait extrêmement nette, n'est-ce pas. Je tiens de plus en plus à préciser qu'on fait une erreur complète sur ma pensée si on l'interprète dans un sens irrationaliste. N'est-ce pas, il ne faut jamais oublier que le mystère, pour moi, est éclairant. On pourrait presque dire que la distinction du problème et du mystère correspond à celle de l'éclairant et de l'éclairé,
Et l'opposition, là, est aussi nette que peut l'être, par exemple, celle de la pensée pensante et de la pensée pensée chez Blondel. Deux questions liées, alors. Est-ce que, d'une part, on pourrait ramener votre distinction du problème et du mystère, et ce que vous dites sur le mystère, à l'idée pascalienne, très connue, que nous serions plus incompréhensibles, inconcevables sans ce mystère, que ce mystère ne nous est inconcevable? Et deuxième question à propos de la présence, diriez-vous que nous sommes devant un problème, tandis que nous sommes en présence de l'être, en présence du mystère? Oui, je répondrai d'abord à votre première question. Oui, je crois que j'accepterai assez la formule pascalienne, elle me paraît exacte. Je crois qu'il faut de plus en plus reconnaître que le mystère nous est inhérent et que nous avons d'une certaine manière besoin de lui. C'est d'ailleurs ce qui est indiqué dans ce texte qui est pour moi un des plus prospectifs que j'ai écrit et qui est la scène dernière de l'Iconoclaste. Pour ce qui est du second point, il faut que je réfléchisse un instant. Voulez-vous répéter les termes dont vous vous êtes servi à l'instant, pour que je vois si je peux vraiment les accepter? Si nous distinguons problème et mystère, est-ce que nous ne pouvons pas dire que nous sommes devant les problèmes, en face de problèmes, oui, tandis que nous sommes en présence du mystère? Question qui rappelle celle que nous avons posée tout à l'heure à propos de la présence. Oui, je croirais, si vous voulez, la possibilité de s'exprimer ainsi, tout en reconnaissant que les mots « en présence du mystère » ne sont peut-être pas absolument clairs, n'est-ce pas ? Je ne suis pas sûr qu'on ne risque pas d'interpréter les mots « en présence de » comme étant équivalents à « devant ». N'est-ce pas ? On dira par exemple qu'on a présenté un certain témoignage en présence du juge. Bien, quand on dit en présence du juge, il faut bien reconnaître que c'est à peu près la même chose que devant le juge. Ou en tous les cas, s'il y a un élément différent, il n'est pas très explicité. Dieu est pour vous le toit absolu. Comment rejoignez-vous ou justifiez-vous ceux qui pensent que Dieu, c'est le « je » absolu? Au fond, ce que j'ai voulu dire, c'est que lorsque je cherche comment je peux parler de Dieu, comment je peux m'exprimer sur Dieu, je suis amené à constater que je peux plutôt lui parler que parler de lui. Et si je lui parle, c'est en effet comme un toit, et un toit qui n'est pas empirique, un toit dont je peux donc dire, en un sens peut-être d'ailleurs assez vague, que c'est un toit absolu. Maintenant, vous me posez la question du « je ». Je vous dirais que je suis tout de même hésitant ici, n'est-ce pas ? J'aurais vraiment quelques scrupules à parler du « je » absolu à propos de Dieu, parce que je crains alors de rétablir l'idée d'une sorte de subjectivité absolue dans un sens comme celui de Fichte, qui me paraît en elle-même assez critiquable. N'est-ce pas ? Au fond, mon problème dans des cas de ce genre est toujours critique. Je cherche à partir de ce qu'est ma position, disons, comme créature, par rapport à Dieu. Suis-je en position d'affirmer Dieu comme « je » absolu ? Est-ce que je suis tout à fait sûr de ce que je dis quand je pose une affirmation comme celle-là ? J'ai un certain doute. Ce n'est pas une négation, mais c'est une incertitude. Et je crois, après tout, que dans tout ce dialogue, il faut faire cette place à l'incertitude, faute de quoi on n'est pas honnête avec soi-même. Comment se fait-il que, à cette question sur Dieu comme jeu absolu, vous répondiez en philosophe par Fichte, alors que la réponse se trouve dans l'Exode et dans ce Dieu qui dit « Je suis celui qui suis », qui est évidemment le jeu absolu, le jeu source de l'être,
et source de tout être, l'actio essendi, l'acte d'être, oui. Non pas comme subjectivité, mais comme source de l'être. La question porte donc sur la raison qui vous fait plutôt penser à Fichte qu'à la Bible, dans ce cas. Je pense qu'il y a ça, une raison assez profonde, c'est le fait que je suis terriblement allergique par rapport à l'Ancien Testament, n'est-ce pas ? Que l'Ancien Testament, très souvent, me cause un embarras extrême, et dont, philosophiquement, il m'est très difficile de sortir. C'est d'ailleurs aussi un des points sur lesquels je voudrais être plus au clair, car ma situation par rapport à l'Ancien Testament ne me satisfait pas. Je pense que c'est une situation qui, d'une certaine manière, n'est peut-être pas tout à fait défendable pour un chrétien. Votre célèbre dialogue avec Léon Brunswick, lorsqu'il pensa vous embarrasser en vous disant que la mort de Gabriel Marcel intéresse beaucoup plus Gabriel Marcel que la mort de Léon Brunswick n'intéresse Léon Brunswick, ce célèbre dialogue ne satisfait plus personne aujourd'hui. C'est-à-dire que le spinozisme de Léon Brunswick pourrait apparaître comme quelque chose d'incompréhensible aujourd'hui. Mais ce qui m'étonne, n'est-ce pas, c'est cette idée qu'aujourd'hui, cette vie spinoziste serait impossible. Je ne crois pas, moi je crois qu'il y a des gens qui persistent dans une attitude stoïcienne, d'ailleurs dont je suis très loin de méconnaître la grandeur, n'est-ce pas, je crois que ça existe. N'est-ce pas ? Ce qui pour moi reste fondamental dans ce que j'ai dit à ce moment-là, je crois que c'était à l'amphithéâtre Guizot, n'est-ce pas ? C'est que, à mes yeux, la mort de l'être aimé est pour moi quelque chose de beaucoup plus important et de beaucoup plus mystérieux que ma propre mort. N'est-ce pas ? C'est-à-dire que je garde le sentiment qu'après tout, je peux envisager ma propre mort comme un sommeil dans lequel je m'engloutirai. Et, après tout, il y a tellement de circonstances où la vie paraît pesante, où les difficultés sont insurmontables, que l'idée de ce sommeil a quelque chose qui peut, d'une certaine manière, assez régler. N'est-ce pas ? Il m'est impossible d'envisager de cette façon la mort de l'être aimé. Je pense aux trois amis que j'ai perdu au cours de ces toutes dernières années, eh bien, pas un instant, je n'ai pu penser la même chose à leur sujet. Il y a là pour moi une sorte d'écartèlement qui me reste intolérable. Alors je ne vois pas très bien pourquoi le problème se poserait en des termes si différents aujourd'hui par rapport à 1937. Vous avez publié, monsieur, L'Insondable, pièce inachevée 1919, à la suite de votre journal métaphysique des années 38-43 et de votre méditation sur présence et immortalité. Oui. Quelle était la nécessité de cette publication ? J'attache une très grande importance à cet acte. Je pense, et ça a été d'ailleurs le sentiment de beaucoup de lecteurs, que la scène entre Edith et l'abbé Sébeillac est une des scènes les plus importantes et les plus significatives que j'ai écrites. Peut-on vous demander les linéaments de cette scène pour... N'est-ce pas ? Voilà une femme dont le mari vient de rentrer de captivité. Cette femme se sent en réalité assez éloignée de lui, ce qui s'est passé dans l'intervalle les a plus ou moins séparés. C'est à peu près le sujet qu'un peu plus tard a traité Jean-Jacques Bernard dans sa pièce « Le feu qui reprend mal ». Mais dans ma pièce, il y a autre chose. Il y a que le militaire qui vient de revenir avait un frère, avec lequel la jeune femme a été en relation pendant que son mari était en captivité. Et cette relation n'a pas été du tout amoureuse au sens précis du mot, mais ça a été tout de même une relation d'une très grande intimité, d'une très grande confiance. Or, ce frère a été tué. Et cette femme se sent maintenant beaucoup plus proche du mort que du vivant. Et alors, elle interroge l'abbé sur ce que ça peut signifier, n'est-ce pas ? Elle a le sentiment qu'au fond, cet abbé ne croit pas réellement à la présence du disparu. Et ceci provoque chez elle un sentiment de révolte. Et par là, je crois que cette pièce anticipait sur ce que nous constatons aujourd'hui chez beaucoup de prêtres qui, lorsqu'ils se confient à nous, avouent qu'ils ne croient pas beaucoup à l'autre vie.
Alors je crois que ceci rejoint tout ce que j'ai écrit ailleurs sur la mort de l'être aimé, n'est-ce pas? Et en ce sens, est tout à fait prophétique. Une de vos études les plus éclairantes, qui a agi en profondeur sur plusieurs jeunes hommes avant 1939, portait sur la fidélité créatrice. C'est quelque chose d'aussi choquant en apparence que évolution créatrice. Quand on pense à évolution, on ne pense pas à création, et inversement. De même, quand on pense à fidélité, surtout au XIXe siècle, on pense à conservation, persistance, non à création. Quelle est la place réelle de ce sentiment, de ce mouvement existentiel dans votre pensée? Je crois qu'elle est tout à fait centrale. Je pense que ces mots ne se sont imposés à moi qu'à l'époque dont vous parlez, c'est-à-dire probablement vers 1934 ou 1935, par une réflexion sur la notion de promesse tenue. Je pense que c'est à partir de là que la fidélité créatrice s'est imposée à moi. Mais je pense qu'à partir de ce moment-là, elle est devenue en effet tout à fait essentielle. Et j'ai pu constater dans certains cas que cette idée de fidélité créatrice avait pu être en quelque sorte un auxilium, qu'elle avait pu d'une certaine manière aider des êtres à vivre. N'est-ce pas? Pour moi, ce qui est extrêmement important, c'est d'ailleurs ce que j'ai exprimé dans mes ouvrages, c'est cette idée que la fidélité ne consiste pas dans une simple conservation. J'ai pris cet exemple, que je crois peut-être utile d'évoquer ici, parce qu'il est clair, de quelqu'un qui, partant pour un long voyage, vient confier son enfant à un ami. Eh bien, la fidélité pour cet ami ne consistera pas à rendre au voyageur, lorsqu'il reviendra, l'enfant exactement tel qu'il était au moment où le voyageur est parti. Il y a eu des initiatives à prendre, il y a eu des initiatives pour son éducation, il y a eu des initiatives pour sa santé. Il serait été au contraire se montrer infidèle que de dire « Ah, mais je ne veux prendre aucune initiative, c'est pour dire un objet que je dois restituer tel quel, exactement comme si c'était un bague que j'ai posé dans un tiroir et que je dois retrouver exactement dans l'état où elle était lorsque je l'ai placée dans le tiroir. » Enfin, je pense que là, cette notion d'initiative créatrice comme expression de la fidélité est une notion très importante, et j'irai beaucoup plus loin. Je pense que le mystère de l'Église ne peut lui-même se comprendre qu'à partir de l'idée de fidélité créatrice. Et là, je me sens évidemment tout à fait en désaccord avec un certain protestantisme. Mais probablement, au contraire, en liaison avec quelqu'un comme le cardinal Newman. La place des vertus cardinales, tant chantée par Peggy en de bons et de mauvais vers, c'est-à-dire de la prudence, du courage, de la tempérance et de la justice, aussi bien dans la vie personnelle que dans la cité, comment les avez-vous marquées dans votre œuvre dramatique et dans votre philosophie? Je pense que le courage et la justice ont pris pour moi une importance grandissante. Et là, je me sens aujourd'hui extrêmement différent de ce que je pouvais être quand j'étais adolescent. Il me semble qu'à ce moment-là, au moment des premiers balbutiements tout à fait abstraits de ma philosophie, j'avais une tendance à me désintéresser de la justice. Il me semblait que la justice, c'était bien pour un certain nombre de moralistes, que je ne mettais pas très haut, ça n'avait rien à voir avec l'essentiel. Depuis, j'ai complètement évolué, en grande partie d'ailleurs, sous la pression des événements. Je pense par exemple à ce qu'a pu être ma réaction au moment de l'épuration. Je crois que c'est un exemple assez utile à donner, n'est-ce pas? J'avais évidemment été entièrement du côté des Alliés, j'avais, je peux dire, vécu de la radio anglaise. Je me rappelle d'ailleurs m'être dit à moi-même, d'une façon très péjorative, que c'était comme des piqûres dont j'avais besoin tous les jours. Mais quand, au moment de l'épuration, j'ai vu traiter d'une façon qui me paraissait indigne des hommes avec qui j'avais d'ailleurs été en désaccord, eh bien, en moi, alors, l'esprit de justice a repris le dessus et il m'a semblé qu'il était absolument indispensable de les défendre.
Ceci est d'ailleurs très sensible dans ma pièce L'émissaire, qui à cet égard est pour moi peut-être une des plus importantes que j'ai écrites. C'est en même temps une de celles qui apparaissent comme les plus impossibles à jouer. Quant à la tempérance, qui vient après la prudence, car il faut savoir... Mais là, je n'ai pas eu de problème, n'est-ce pas, parce que je n'ai jamais eu de désir violent. L'intempérance me faisait horreur dans tous les domaines, et je me suis trouvé gardé, sans y avoir d'ailleurs aucun mérite, en somme par nature, par mes dispositions même. Quant à la vertu de force, le courage lié à la vertu de force, on disait la vertu de force, pensez-vous qu'il y ait une vertu de force et qu'il faille aller au-delà des tabous, des interdictions, c'est-à-dire au-delà d'une certaine tendance à majorer la faiblesse, la bonté, la douceur? Est-ce que la Je crois qu'on n'a jamais le droit de majorer la bonté ou la faiblesse là où la vérité est en question. Je crois que, si vous voulez, ce qui me frappe, ce qui m'a frappé de plus en plus au cours des dernières années, et ce que j'ai cherché à exprimer dans de nombreuses conférences, c'est le rapport entre le courage et la vérité. Il ne s'agit pas du tout de faire de la vérité une idole, n'est-ce pas ? Je crois que c'est toujours difficile de penser la vérité, néanmoins, nous savons tout de même ce que nous voulons dire quand nous employons ce mot. Eh bien, je crois qu'il ne peut pas y avoir de vérité digne de ce mot sans un certain affrontement qui implique le courage. Je dirais qu'au fond, les problèmes éthiques se sont posés à moi, surtout sous la forme dramatique. Et qu'en ce sens, je le répète, c'est surtout dans mon théâtre, beaucoup plus que dans mes écrits philosophiques, qu'on trouverait des éclaircissements sur ce que j'ai pensé, et surtout sur ce que j'ai contesté. Car il est bien évident qu'il y a une contestation de plus en plus marquée à l'intérieur de mes pièces. J'ai dit quelquefois que mon théâtre était placé sous le signe du « oui mais » par rapport à la philosophie. Et je crois que cette remarque vient ici à sa place. N'est-ce pas ? Il est certain que le théâtre, et c'est peut-être pour ça que j'y attache de plus en plus l'importance, je trouve qu'il est une sorte de protestation au nom d'une vue beaucoup plus globale de la vie contre une certaine présentation schématique et partielle dont quelque chose de profond en moi ne pouvait pas satisfaire. Votre œuvre dramatique comporte 21 pièces. Au moins. Au moins. Oui, je crois que c'est plutôt 25 plus les pièces en un acte. Vous êtes défini un jour comme philosophe dramaturge en insistant, disiez-vous, sur le tiret, sur le caractère non dissociable des deux tâches. Or, votre théâtre est le contraire d'un théâtre idéologique et même de ce qu'on appelle d'habitude théâtre philosophique. Absolument. Que voulez-vous dire alors par ce tiret et par... N'est-ce pas, j'ai employé une métaphore qui est tout de même commode. J'ai dit qu'on pouvait parler de deux versants de mon œuvre, le versant théâtral et le versant philosophique. La priorité, en un sens très profond, appartient au théâtre. C'est-à-dire que le théâtre se présente comme une sorte de prospection et que souvent, la philosophie dégage, pour les fixer, pour les cristalliser, certaines données mises en lumière par cette prospection. À ce point de vue-là, n'est-ce pas, il y a un exemple qui est frappant, qui a été d'ailleurs très souvent évoqué, c'est la fin de l'iconoclaste. Il est absolument évident que c'est pour la première fois dans la scène finale entre Jacques et Abel, et qui est une scène tellement significative, tellement révélatrice pour l'ensemble de mon œuvre, que pour la première fois est évoquée la présence du mystère comme éclairant. Eh bien, au moment où j'ai écrit l'iconoclaste, j'étais aussi loin que possible d'avoir réfléchi philosophiquement sur l'idée de mystère. Donc il y a là un exemple tout à fait clair, et il y en a beaucoup d'autres. Je crois dans l'ensemble que mon théâtre a peut-être été mieux compris en Allemagne qu'en France, mais je n'en suis même pas tout à fait sûr. Et en tous les cas, ça n'est probablement plus vrai parce que l'Allemagne est entraînée dans le même courant que la France, n'est-ce pas ? Et donne elle aussi dans Beckett et tous les sous-produits de Beckett. Votre théâtre a-t-il été joué en France autant que vous pouviez l'espérer ? Très loin de là. Très loin de là. Je peux dire que ça aurait été la grande déception de ma vie. Mon théâtre a été peu joué, il a été de façon tout à fait intermittente, tout à fait sporadique, et en général, je n'aurais pas eu les interprètes que je souhaitais. Pensez-vous que cela tienne à l'État, aux gens qui tiennent le théâtre, ou au public virtuel ? Je ne crois pas que ça tienne au public virtuel, parce que je crois que ce public virtuel, en réalité, existait. Mais je crois que chez beaucoup de gens, il y a eu une sorte de parti pris. Le théâtre d'un philosophe ne peut être qu'un théâtre philosophique, c'est-à-dire un théâtre
qui n'est pas pour le public. Pensez-vous que ce genre de difficulté soit surmontée, sauf quand les philosophes seront rois ou quand les rois seront philosophes, ce qui nous ramènerait au platonisme dont vous avez parlé tout à l'heure? Je ne sais pas, parce que je n'aurais pas très confiance d'une société où les philosophes seraient rois. Votre puissance comique, votre vis comica s'est déployée dans la dimension Florestan, une comédie, une tragicomédie, aux dépens d'une certaine idolâtrie, d'une complaisance à un culte et d'un jargon philosophique. Cette charge ne visait pas Heidegger en profondeur. Est-ce qu'elle l'épargne tout à fait? Non. N'avez-vous pas craint de le blesser ou ses disciples? Et question annexe, comment réagiriez-vous à une charge analogue à vos dépens ou en marge de votre enseignement et de votre vie? Eh bien, je vais tâcher de répondre à vos différentes questions. D'abord, je crois, n'est-ce pas, que, comme je l'ai dit d'ailleurs précédemment, la dimension Florestan doit être tout de même rapprochée des pièces comiques antérieures, je ne cite que les deux principales, n'est-ce pas, le divertissement posthume et surtout Colombire. Colombire est important. Parce que vraiment, c'est tout de même le problème du pacifisme qui est là abordé par le biais le plus satirique possible. Vous savez, la muse comique est extrêmement ancienne, n'est-ce pas? Là, je crois, c'est une chose qui a été au fond très peu étudiée dans mon œuvre, n'est-ce pas? Et pourtant, je pense que l'aspect comique de mon théâtre est essentiel. Et je suis heureux d'avoir cette occasion de m'exprimer sur ce point. Je me rappelle très bien que dans mon enfance, on me faisait un peu la guerre parce que j'avais de temps en temps des espèces de crises de rire hystériques. Et au fond, il y avait là une sorte de réaction, en quelque sorte organique, contre l'espèce de contrainte dans laquelle je vivais, de contrainte morale, n'est-ce pas? Au fond, beaucoup de choses dans mon œuvre, et en particulier dans mon théâtre, s'expliquent par ce besoin de réagir contre tout ce qui peut y avoir d'oppressant dans le moralisme. Maintenant, vous me demandez, ai-je pensé explicitement à Heidegger? Sans aucun doute, sans l'ombre d'un doute, c'est de Heidegger que je suis parti, ou plus exactement, c'est du langage de Heidegger. Et surtout, c'est pas la chose qui a fait beaucoup rire, et qui m'amuse personnellement, n'est-ce pas? Lorsque une admiratrice, la comtesse Sommerfeld, vient lui dire, j'ai été tellement ému, tellement bouleversé, quand je vous ai entendu hier, dans votre merveilleuse conférence, déclarer la pomme, pomme, n'est-ce pas? La poire, poire. Eh bien, ceci, pour un Français ignorant, peut paraître d'inmédisance. Ça n'est pas d'inmédisance quand on sait que Heidegger a écrit « das Ding, Dinget », ce qui se traduit littéralement « la chose, chose », n'est-ce pas? Et je prétends qu'il n'y a pas de différence entre la chose, chose et la pomme, pomme. Votre vocation a été triple, musicien, dramaturge, philosophe, et a laissé place à d'autres activités, d'abord à plusieurs reprises à l'enseignement. En quelles circonstances et pourquoi lui êtes-vous resté fidèle jusqu'à un certain point? Eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'admettais pas du tout que philosophe ne voulût pas dire professeur de philosophie. Et je me rappelle que j'ai commencé mes classes à Vendôme avec un très grand enthousiasme, une sorte d'enthousiasme platonicien, au point, je crois que à ce moment-là, je voyais les choses d'une façon platonicienne. Malheureusement, l'expérience se révéla extrêmement décevante, car je commençais par avoir un seul élève, qui était un excellent garçon, se destinant au métier très honorable de vétérinaire. Et puis, je me rappelle qu'il y eut un second élève, qui était un recalé, et finalement, il y a eu un troisième. En dehors de cet enseignement scolaire, qui a été épisodique, semble-t-il, tout de même dans votre vie, vous avez longtemps et récemment encore accueilli ici même des élèves, des amis, des disciples, qui réfléchissent en votre présence, discutent, que vous orientez, dirigez, à qui vous communiquez une part vivante de votre pensée. D'où est venue votre patience en face de tout cela? Et comment ne vous êtes-vous jamais lassé? Je ne peux pas dire que je ne me sois jamais lassé. C'est-à-dire que si je n'avais eu que des étudiants, je crois qu'effectivement, ma patience aurait persisté. J'ai eu assez souvent dans mon auditoire des personnes qui étaient tout à fait étrangères à l'université, mais qui quelquefois me fatiguaient un peu. Mais enfin là, je préfère ne pas assister. J'ai eu aussi d'ailleurs des femmes que j'aimais bien. Eh bien, tout a commencé, je crois, vers 1936 ou 1937.
lorsque un candidat, dont j'oublie d'ailleurs le nom, vint me dire, à la Sorbonne, nous trouvons que la philosophie générale est terriblement délaissée. Est-ce que vous accepteriez de recevoir quelques-uns d'entre nous et de nous aider? Alors j'ai dit, écoutez, je sais pas, je suis peut-être un peu rouillé, je ne sais pas si je pourrais vous rendre service, mais enfin, faisons l'expérience. Il y a eu de bonnes années, il y en a eu de mauvaises, n'est-ce pas? Mais enfin, je dois dire que, pour moi, il était très important de pouvoir dire à des jeunes gens qui venaient m'entretenir avec moi, n'hésitez pas à poser une question ou même à formuler une objection. Dites-vous que la question ou l'objection peut servir à tout le monde. Là, n'est-ce pas, je peux dire que j'ai anticipé, très nettement, sur ce qui a été réclamé, de façon quelque peu bruyante, en 68. Là, je dirais, je n'ai pas eu de reproche à me faire, ça n'a pas été trop magistral, ça a été même plutôt le contraire. Ce doit être en 1927 que Charles Dubos me demanda de prendre la suite de la collection d'auteurs étrangers qu'il avait dirigée chez Plomb pendant quelques années. J'acceptais, mais j'en modifiais quelque peu le caractère. Je décidais que cette collection serait consacrée à des œuvres révélatrices d'un certain climat spirituel déterminé. Je donnais comme sous-titre, peu croisé, « Terres et âmes étrangères ». Et c'est ainsi que j'ai été amené à publier un certain nombre d'écrivains importants. Parmi lesquels je citerai Huxley. Je suis très heureux d'avoir publié Contrepoint et beaucoup d'autres œuvres de lui. Jacob Wasserman, qui était absolument très connu à ce moment-là. Et puis beaucoup d'autres, Kazantzakis, ainsi de suite. Et en particulier un certain nombre de femmes qui ont illustré l'Angleterre à cette époque-là. Rosamond Lehmann, précisément, vous l'avez connue personnellement? Oui, je l'ai connue personnellement. Je l'avais vue autrefois et je l'ai revue depuis. Et en particulier depuis cette extraordinaire évolution qui est la sienne, puisque vous savez peut-être qu'elle s'est convertie, qu'elle est devenue profondément croyante. Je ne sais pas du tout d'ailleurs si elle adhère à une religion déterminée, mais à la suite d'une expérience métapsychique, après la mort de sa fille, elle a été totalement convertie et elle en a éprouvé une joie extraordinaire. Elle m'a dit, je trouve maintenant un sens merveilleux à des quantités de choses qui m'étaient complètement fermées. Vous avez accepté et conservé le fardeau d'une chronique dramatique régulière. Eh bien, j'ai gardé très longtemps un appétit qui me surprenait moi-même. Et je disais d'ailleurs, si je perdais cet appétit, il faudrait que je renonce à ce métier. Ça n'est possible qu'à cette condition. L'histoire de mes rapports avec l'Académie française est assez bizarre. En réalité, je me suis présenté une fois au fauteuil d'Edmond Jamy. Sur l'incitation de Mauriac. Mais je dois dire, je parle ici d'une manière tout à fait ouverte, que je me méfiais un peu des arrière-pensées de Mauriac. Je pensais qu'au fond, il cherchait à faire pièce à Jean-Louis Baudoyer, contre qui il avait je ne sais trop quelle rancune. Dès lors, je pensais qu'avant de prendre une décision, il fallait demander l'avis d'une personnalité absolument indépendante et je choisis Robert Darcourt. Robert Darcourt me répondit, mais certainement nous serions très heureux de vous avoir avec nous, présentez-vous. Je me présentai, je fis donc toutes les visites traditionnelles et presque toujours je me heurtais à des gens fort aimables qui me dirent, mais monsieur, nous serions très contents de vous accueillir, mais nous avons pris des engagements vis-à-vis de Jean-Louis Baudoyer. J'ai donc un très petit nombre de voix. J'avoue que je trouvais cette expérience désagréable et je n'eus aucune espèce d'envie de recommencer. Je m'attendais cependant, étant donné l'accueil que j'avais trouvé auprès des académiciens, à ce que certains me fissent signe. Ce ne fut pas le cas. D'autre part, j'ai donc été élu en 1952 membre de l'Académie des sciences morales et politiques et après tout, je pense que c'est suffisant. Pour ce qui est des honneurs, eh bien oui, j'ai reçu beaucoup de prix, j'en ai reçu presque trop. Je n'ai pas besoin de vous dire que je n'en ai jamais sollicité aucun, n'est-ce pas? Tout m'est venu.
en particulier le priérasme, qui est certainement, de toutes ces distinctions, celle à laquelle j'ai été le plus sensible, d'autant plus que jusqu'à présent, le priérasme n'a été vraiment décerné qu'à des hommes de tout premier plan. Au début, Henri Franck, c'est tout à fait vrai. J'ai connu Henri Franck à la Sorbonne, je l'ai connu surtout chez Xavier Léon, lors des réunions qu'il donnait comme directeur de la revue de métaphysique et de morale. Et tout de suite, j'ai éprouvé pour lui une admiration qui n'a jamais fléchi. C'était un être merveilleusement doué, et je sentais en lui une sorte d'harmonie, d'équilibre, de bonheur, qui contrastait avec ce que j'éprouvais en moi de maladresse, je puis dire, de maladresse. Je trouve que le mot maladresse est un mot très important dans mon cas. J'ai toujours été maladroit. J'ai toujours été en particulier incapable d'entretenir des relations un peu correctes avec les choses. Et ceci est extrêmement gênant. Je crois que c'est une caractéristique. Henri Franck, avec qui j'ai échangé de nombreuses lettres, devait hélas mourir en 1912 d'une affection pulmonaire certainement mal soignée, et je ne me console pas de penser que de nos jours, certainement, on l'aurait guéri. Ensuite, les noms qu'il faut retenir avant tout sont ceux de Charles Dubos, bien sûr, et de Robert Garrick. Ce sont probablement les deux amis les plus chers que j'ai eus à ce moment-là. Il y en a un qui, Dieu merci, vit encore et que je nommerai dans un instant, car je ne veux pas que son nom soit absent de cette espèce de mémorial. Jacques Rivière a joué un rôle important pour moi en ce sens que c'est chez lui, dans ses réunions qui se tenaient périodiquement dans un appartement rue Boulard, que j'ai fait la connaissance non seulement de Charles Dubos, qui était l'essentiel, mais aussi de Ramon Fernandez et de bien d'autres, de Jules Superviel, etc. C'est là que j'ai vraiment pris contact avec la Nouvelle Revue française, et je peux dire avec la meilleure littérature de l'époque. À cela d'ailleurs, Henri Franck m'avait préparé, car c'était lui en particulier qui m'avait fait acheter l'Arbre de Claudel. C'était lui aussi qui, je crois, m'avait rendu attentif à certaines choses de Peggy, ça j'en suis un peu moins sûr. C'était probablement lui qui m'avait fait lire La Porte étroite de Gide. La place qu'a Charles Dubos dans ma vie est considérable. Je l'ai dit il y a un instant, il est probable que Charles Dubos a été à l'origine de ma venue, non pas au Christ, mais au catholicisme. Mais il y a eu beaucoup plus, il y a eu beaucoup plus. Ça a été une sorte d'intimité de pensée et de cœur dont je n'ai presque pas eu l'équivalent depuis. Quant à Robert Garrick, je l'ai connu chez Daniel Halévy. Robert Garrick a pris pour moi de plus en plus l'importance. Je pense à lui aujourd'hui comme un des seuls êtres en qui j'ai vraiment senti, j'ai éprouvé quelque chose qui est très proche de la sainteté. Il y a encore deux rencontres qui sont importantes. Il y a la rencontre de Thibon, comme vous le disiez, en 1939, à la suite de la lecture d'un texte qu'il avait publié, je ne sais plus très bien où, sur la vertu d'économie, que j'avais trouvé absolument remarquable. À ce moment-là, je ne savais absolument rien de Thibon, je ne savais pas du tout qui c'était. Je m'en enquis, je crois, auprès de Stanislas Dumais, si je me trompe. Alors, immédiatement, je lui écrivis, il me répondit, il me dit, mais je sais très bien qui vous êtes, venez me voir. Et cette rencontre fut quelque chose d'extrêmement précieux, et c'est à la suite de cela, d'ailleurs, que je m'attelais à la publication de Diagnostic. Et je n'ai pas besoin de vous dire que Gustave Thibon est resté pour moi un ami extrêmement cher, et il est hors de doute qu'il y a certaines choses, peut-être assez définissables, que je lui dois. Pour moi, Daniel Halévy, c'est d'une certaine manière l'expression même de la conscience historique dans ce qu'elle peut avoir de plus large, de plus ample, de moins asservi à l'érudition. C'était un grand libéral,
Nous n'avons pas toujours été d'accord. Je me rappelle très bien, par exemple, j'évoque ce souvenir, une visite que je lui ai faite pendant la guerre, lorsque je lui ai dit, eh bien, je crois vraiment qu'on peut espérer que les Allemands vont être battus à Stalingrad. Il m'a dit, je fais le même pronostic que vous, mais mon jugement n'est pas tout à fait le même. En d'autres termes, il avait extrêmement peur de ce que pourraient être les suites d'une victoire communiste. Et bien sûr, l'événement ne l'a pas démenti, seulement je pense tout de même qu'une victoire nazie aurait été incomparablement pire, et il aurait sûrement été de cet avis. Il ne faudrait pas dire le moins du monde que à Lévis ait eu la moindre indulgence pour le nazisme. Ce serait un mensonge. Je trouvais d'ailleurs scandaleux qu'il n'ait pas été élu à l'Académie française. Ça, c'est quelque chose qui m'a paru intolérable et qui l'a d'ailleurs, je crois, blessé. Je n'ai pas du tout cherché à constituer une politique. J'ai eu des attitudes politiques, j'ai eu des positions politiques qui ont d'ailleurs varié jusqu'à un certain point, et je ne demande pas mieux que de m'expliquer là-dessus, mais sans que je puisse parler d'une politique. Tout récemment, j'ai reçu une lettre d'un professeur, je crois, de Virginie, qui me disait qu'il faisait un travail sur la philosophie politique et sociale dans mon œuvre. Je lui ai répondu, surtout, n'allez pas imaginer qu'il y ait chez moi une philosophie politique constituée, parce que ce n'est pas le cas. Mais il est certain que pendant ces années, et c'est vrai jusqu'à la guerre, je me suis senti complètement sympathisant par rapport à la cause monarchique. Et il est vrai aussi que ceci était en rapport avec ma réaction défavorable contre tout ce qui pouvait être de l'ordre de l'abstraction. Je trouvais que la relation à un monarque, et en particulier à une famille royale, était une relation vivante et concrète dont je ne voyais absolument pas l'équivalent dans une république. Je crois que ceci d'ailleurs était très ancien pour moi. J'ai le sentiment que déjà, sinon enfant, moi adolescent, mes réactions étaient de cet ordre. Et je pense qu'elles ont été en partie consécutives à ma lecture prématurée d'Histoire de la Révolution française qui m'ont fait horreur. Je crois que, en réalité, ma famille n'avait pas été très bien inspirée en me faisant lire l'Histoire de la Révolution française de Mignet, qui est fort abstraite. Mais ce que j'ai surtout retenu de ces lectures, c'est l'horreur de phénomènes comme les massacres de septembre, etc. Ça m'est toujours resté, et je crois que ça m'a marqué d'une empreinte probablement indélébile. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je me sens tellement en sympathie avec ces écrivains du milieu du 19e siècle comme Tocqueville, qui ont été eux aussi marqués par la Révolution. Ils en étaient à la fois assez près et assez loin pour pouvoir en parler d'une manière tout à fait lucide, n'est-ce pas? Ces gens-là ont prévu l'avenir d'une certaine manière, alors que par la suite, le manque de prévision, en particulier chez les hommes politiques, a pour moi quelque chose de presque confondant. Vous avez connu le comte de Paris, personnellement? Oui, j'ai même collaboré au Courrier Royal. Courrier Royal. N'est-ce pas? Voilà ce qui s'est passé. Je me rappelle très bien que la première fois que je l'ai vu, ça a été à Bruxelles. J'ai été le voir à Bruxelles, ça devait être très peu avant la guerre, ça devait être en 1938. Je lui ai toujours fait confiance, j'avais une sympathie pour lui. Et en même temps, n'est-ce pas, si j'y réfléchis maintenant, je crains qu'il n'y ait eu chez lui une part d'illusion. Là, n'est-ce pas, il faudrait aborder le problème de ses relations avec le général de Gaulle, qui est un problème difficile. J'ai cru, j'ai espéré à un moment donné qu'il y avait en somme entre lui et le général de Gaulle une entente. J'aurais souhaité encore à ce moment-là, et ça devait être vers 1960, que le général de Gaulle le choisit en somme comme pouvant lui succéder. J'ai été évidemment tout à fait déçu de ce côté. Et j'en conclus qu'il s'est montré tout de même très naïf, qu'il a été dupe d'un certain nombre d'apparences. Et finalement, je dois dire que toute cette expérience me laisse un goût de cendre. Et aujourd'hui, j'avoue que je n'y crois plus. Votre attitude à l'égard du communisme et du marxisme a été claire, totale, simple.
Vous semblez n'avoir jamais été tenté. Quelle est l'origine de cette fermeté et de cette unité de vue? Le marxisme, n'est-ce pas, en tant que Weltanschauung, m'a toujours paru quelque chose d'absolument rudimentaire, une sorte d'appauvrissement et de dégradation de l'hegelianisme. Alors, les raisons pour lesquelles j'étais hostile au système de Hegel jouaient encore, a priori, beaucoup plus fortement contre le marxisme. Pour ce qui est du communisme, je pense que le spectacle de la Russie bolchevique a suffi à m'en détourner d'une façon complète et définitive. Et cependant, j'ai toujours gardé en moi le sentiment que si on arrivait à faire abstraction de ces formes, je dirais, hideusement bureaucratisées, il y avait malgré tout dans l'affirmation ou dans l'appel communiste quelque chose qui méritait le respect. En tout cas, je vous dirai une chose qui marque assez nettement mon sentiment. Il y a quelque temps, apprenant que le fils d'un de mes neveux appartenait, je crois, à l'ordre jeune nation, à la catégorie de jeune nation, quelque chose comme ça, j'ai dit quelle horreur, j'aimerais mieux personnellement avoir un fils communiste plutôt qu'un fils d'extrême droite de cette manière-là, de cette manière raciste. De même, n'est-ce pas, je m'en rappelle avoir eu des conversations avec Garaudy, où j'ai eu le sentiment que, jusqu'à un certain point, nous pouvions nous comprendre. Seulement, il m'a bien semblé, et j'en ai eu la preuve, que pour cette entente, il fallait complètement faire abstraction des données de fait. Car j'ai voulu en avoir le cœur net, je lui ai dit « Que pensez-vous des événements de 1956 en Hongrie ?» Il m'a répondu « Mais vous ne savez non pas que tout ça a été machiné par les puissances capitalistes. » Je dis « Bon, eh bien maintenant, je vois à quoi je dois m'en tenir sur notre accord. » Et de même, un peu plus tard, dans la même conversation, ou peut-être deux ou trois jours après, il m'a dit « Mais vous ne savez donc pas que la seule partie libre de l'Allemagne est l'Allemagne de l'Est, n'est-ce pas ?» Alors, à partir de ce moment-là, j'étais fixé. N'avez-vous pas, monsieur, le sentiment, justement, d'avoir été trop longuement piégé par des gens dont vous saviez parfaitement qu'ils avaient été solidaires à ce moment-là, où vous conversiez avec eux, qu'ils avaient été solidaires pendant des années du communisme et de Staline, et donc des camps de concentration, donc de l'affaire des médecins juifs, le complot des blouses blanches, etc. Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait dire quant à votre naïveté politique qui vous a conduit, dans certains cas, à faire crédit d'une manière excessive aux imposteurs? Non, mais je ne crois pas que ça a pu m'arriver. J'ai pu faire preuve, dans certains cas, de crédulité, ça c'est très possible. Dans le cas particulier, non. Je crois qu'il y a eu un certain minimum de bonne volonté, n'est-ce pas? Le sentiment qu'il faut tout de même voir s'il y a moyen de faire un bout de chemin avec ces gens à partir justement d'une sorte de répudiation qui nous est commune d'un certain type de société que nous détestons et en particulier de tout ce qui relève de la plutocratie. Ce que je crains, je dis bien ce que je crains, car à mon avis c'est une perspective effrayante, c'est que ces marxistes d'aujourd'hui ne puissent être ramenés à la raison que par l'existence d'un régime marxiste qui deviendrait quelque chose de tellement oppressant et de tellement insupportable qui serait forcément amené à retrouver la raison. Mais il est trop clair que ce n'est pas quelque chose que nous puissions souhaiter. Conventionnellement, vous êtes issu de la grande bourgeoisie libérale, termes qui n'ont pas grand sens, mais la question de l'avenir de la bourgeoisie française a-t-elle un sens pour vous? Oui, je crois que c'est une question extrêmement préoccupante. Je ne sais pas ce que deviendra la bourgeoisie. Je me demande d'ailleurs ce qui reste de l'opposition des classes. J'ai bien le sentiment que la classe ouvrière cherche de tout son effort à s'embourgeoiser, et je serai le dernier à le lui reprocher. Je crois en particulier qu'en ce qui concerne cette fameuse société de consommation, bien mal nommée à mon avis, il y a là un malentendu effrayant, car il est tout de même trop naturel que des gens qui ont été privés de tout pendant si longtemps cherchent aujourd'hui à bénéficier des avantages de cette société. C'est pour ça qu'il me paraît fatal qu'entre la plupart des étudiants gauchistes et les ouvriers, le malentendu soit complet et ouvert. Étiez-vous en rapport avec des jeunes gens en mai 1968 et comment avez-vous réagi à toute cette tragicomédie?
J'ai réagi d'une façon très sévère dans l'ensemble, très sévère. Peut-être même, et j'étais un peu trop dur au début. Pour ce qui est des étudiants qui sont venus me voir, je me rappelle surtout une conversation qui a eu lieu, je pense, à la fin du mois de juin, avec deux garçons très sympathiques, qui m'ont dit, vous comprenez, monsieur, nous trouvons que cette société est affreuse et qu'il faut la supprimer. À quoi j'ai répondu, oui, mais qu'est-ce que vous voulez mettre à la place? Et ils m'ont répondu qu'ils n'en savaient absolument rien. Et ça, j'ai trouvé que c'était de l'infantilisme pur et simple. Et je dois dire que je reste convaincu que la part d'infantilisme est ici considérable. Tout en reconnaissant que dans cette protestation, il peut y avoir quelque chose de fondé. Seulement ça me paraît tellement mélangé, tellement impur, je dirais vraiment tellement pollué, qu'il est difficile de prendre ça au sérieux. Notre civilisation a-t-elle un avenir ? Ensuite, je crois que nous vivons sur les restes d'une civilisation, n'est-ce pas ? Je crois que ces restes, malheureusement, tentent à se désintégrer et que cependant, il y a là certaines valeurs que nous devons tendre à sauvegarder obstinément et jusqu'à la limite. Ça, c'est ma conviction. Maintenant, qu'en adviendra-t-il ? J'avoue que je suis extrêmement sombre, n'est-ce pas ? Je crains que nous n'allions vers un cataclysme dont je n'aperçois d'ailleurs pas la forme. Je suis extrêmement loin de former une prévision quelconque à ce sujet, mais je me demande si le cataclysme pourra être évité. Ça me paraît extrêmement douteux. Est-ce que cette pensée est une pensée tenable, que nous allons vers le cataclysme ? Est-ce que si l'on pensait cela tout de suite ? C'est une pensée eschatologique, c'est une pensée qui n'est pas contraire à certains textes, en particulier, si vous voulez, de l'Apocalypse. Il est sûr que l'autre jour, après la première partie de notre entretien, j'ai eu comme le sentiment pénible que ma vie se recroquevillait, pour ainsi dire, sur elle-même. Et ça, c'était extrêmement désagréable. Ceci s'est passé. Que j'ai, d'une certaine manière, le besoin de jeter un regard d'ensemble sur ma vie, ça reste vrai. Et la meilleure preuve, c'est qu'au fond, c'est ce que je cherche à faire dans le livre que je dicte lentement et dont j'ai déjà dit qu'il s'intitulerait « En chemin vers quelle lumière ?» avec un point d'interrogation. Par conséquent, je ne regrette pas en réalité d'avoir été soumis à cette épreuve assez dure, assez difficile, tout en étant convaincu que sur certains points, je n'ai pas répondu comme il aurait fallu le faire et comme peut-être ça m'aurait été possible si j'avais eu beaucoup plus de temps à ma disposition, ce qui était exclu. Cette totalité, monsieur, la voyez-vous comme une image, comme une idée globale ? Votre vocation vous paraît-elle avoir été d'une part remplie, partiellement remplie ? Il est évident qu'elle ne peut pas vous apparaître comme terminée. Comment voyez-vous ces prolongements et la continuité entre votre avenir proche et votre passé ? Oui, j'ai le sentiment d'avoir rempli à peu près ma vocation. Ça peut avoir l'air très présomptueux ce que je dis, mais il me semble que dans l'ensemble, j'ai fait à peu près ce que j'ai cherché à faire, précisément parce que ça n'impliquait pas l'idée d'une œuvre qui pourrait constituer un ensemble organique et parfait. Mais pas à l'instant, je me rappelais que la première idée que je me suis faite de mon avenir possible, quand j'étais un tout petit enfant, je devais avoir 5 ou 6 ans à ce moment-là, c'était d'être un explorateur. Il est certain que l'idée de l'exploration m'a séduit de très bonne heure, et j'ai l'impression, après tout, qu'il y a eu là une constante dans ma vie. Philosophiquement, dans les moments où j'ai eu vraiment le sentiment d'être conduit, il m'a bien semblé que j'explorais des régions qui avaient été insuffisamment repérées. Même mon théâtre est en réalité d'une certaine manière une exploration, puisque c'est un théâtre qui est au fond une recherche, où les personnages eux-mêmes sont en recherche. Alors, n'est-ce pas, dire que j'ai fait ce que j'ai voulu serait tout de même très excessif, ce serait absurde. Mais je ne vois pas comment j'aurais pu mener une vie tout à fait différente de celle qui a été la mienne, bien qu'il y ait eu naturellement une part de hasard, une part de malheur, une part tragique au fond, n'est-ce pas ? Et puis aussi que cette vie ait été dans une large mesure tributaire des événements
et je dirais d'ailleurs presque heureusement, parce que je n'aurais pas voulu avoir le sentiment que j'ai vécu en marge de ces événements qui m'ont si profondément atteint, qui m'ont même bouleversé, et qui continuent encore à bouleverser lorsque je les évoque à l'occasion d'une présentation à la télévision ou d'une lecture. Tout cela d'ailleurs, j'ai conscience de l'avoir vécu d'une façon extrêmement insuffisante, n'est-ce pas ? Parce que je trouve tout de même que je suis, par certains côtés, un très pauvre chrétien, et ça je tiens beaucoup à le dire. Rien n'est plus éloigné de moi que l'idée que j'ai véritablement accompli en ma personne ce que doit être un chrétien. J'ai essayé peut-être surtout dans la mesure où j'ai cherché à mettre en pratique ce que j'ai écrit sur la disponibilité. Je pense que vraiment, je me suis efforcé d'être de plus en plus disponible. C'est cela, si vous voulez, la pauvre, l'insuffisante application en moi des maximes chrétiennes fondamentales. Est-ce que nous ne déboucherions pas sur la conclusion même de La femme pauvre de Léon Blois, à savoir que la seule tristesse, c'est de n'être pas des saints? Oui, mais ça je crois que c'est profondément vrai, c'est une parole à laquelle je m'associe complètement, et sans hésitation.